bienvenue à ce prime. Et c'est le second dont la paroisse Sébéco de Kitambo reçoit toutes les chorales du district de la Founa. Alors, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, toutes les chorales, je vous demande d'applaudir pour vous-mêmes. Avant que nous ne commencions toute chose, je demanderai. Le pasteur Normand Bini viendra ici pour une courte prière et aussi pour un encouragement à toutes ces chorales qui vont participer à ce prime. Alors, pasteur, je vous en prie. Oui, bonsoir tout le monde. C'est pour nous un sujet de joie de pouvoir être cette église qui est choisie pour que se réalise ce grand événement. Je vous demande de vous lever tous ensemble pour que nous puissions prononcer une prière avant de commencer de façon proprement dite. À Dieu, nous soumettons toutes choses. À l'honneur du Créateur, nous aimerions que tous les chants soient entonnés. Pour la grande gloire de celui qui a fait les cieux et la terre, nous remettons toutes les chorales. Ô Dieu, pour que toi-même tu les accompagnes. Merci pour les talents divers que tu as donné aux uns des autres de pouvoir chanter et d'autres encore pour pouvoir diriger. En toute chose, que l'honneur, la louange et la gloire te reviennent pour toujours par Christ, le Seigneur et le Sauveur. Amen. Amen. Bonne soirée à tous. Et vos applaudissements, s'il vous plaît. Et pour ce prime, c'était donc le district de la Founa, c'est le district de la Founa, qui est réuni dans cette belle église ou ce beau temple de Sébéco. On est à la paroisse francophone de Kitambo. Tina. Voilà, mesdames et messieurs, applaudissez pour vous-mêmes. Et cinquième chorale ce soir pour ce prime est donc la chorale Les Pèlerins Israël de l'église Sébéco Bandal 2. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, les Pèlerins d'Israël. La chorale, c'est comment? Ça ira. Ok. Thank you.
On dit que derrière un grand homme, il y a une grande femme. Apparemment, devant cette grande chorale, il y avait une dame. Bonsoir, madame. Mais vous n'applaudissez pas. Franchement, j'ai fait des éloges. Oh. Mais tout de même, ils devront être cotés ce soir. Et monsieur John, je vous passe la parole. Bonsoir, les pèlerins. Bonsoir. Juste souligner une chose, la prestation était belle, tout était bon. Seulement que quand vous jetez de l'huile sur le feu, que le feu prend, il va falloir suivre. Le rythme que vous avez pris appelle à une grande ambiance, mais vous l'avez accompagné avec des gestes plutôt timides. Je pense qu'il va falloir travailler sur la chorégraphie pour pouvoir allier et la prestation et justement les gestes et tout ce que vous proférez. Donc il faut allier les deux, travailler sur la chorégraphie pour faire partie de la prestance. Félicitations à vous. Merci. Et monsieur Gérard, vous avez un mot ? Oui, juste un mot pour dire à la chorale d'abord merci pour le travail fait. Mais ce qu'il faudrait apprendre comme remarque, éviter de mettre la musique plus haut que les chantres. La musique est un peu élevée.
Et puis, il n'y avait pas assez de la vocalisation dans le voix. Les voix étaient extrêmement écartées. En plus, on a besoin de messages. Il y a certaines paroles qui ne sont pas claires au finish. Et enfin, il n'y a pas de feedback entre certains choristes et les dirigeants, surtout pendant la chorégraphie. Vous êtes là en train de danser, vous ne songez pas à suivre les dirigeants. Voilà ce qu'il faudrait à la longue arranger. Merci. Merci beaucoup. Applaudissez pour vous-même d'abord. Et ensuite, toute la salle, applaudissez pour cette chorale. Et voilà, merci d'être passé dans ce prime. Ok, comment ça s'est passé là-bas? Oui, parfaitement bien. Bon, il y a des petites choses qui ne manquent pas, mais dans l'ensemble, c'était, ça va. D'accord. Et après tout ce qui s'est passé sur le stage, la réaction du public aussi, et vous pensez avoir quelle note? Oui, en fait, la note que nous devons avoir dépend aussi du jury. En fait, c'est pas, si le public applaudit, cela ne peut pas directement refléter, influencer le jury. Mais ce qui est vrai, le public a applaudi, mais on ne sait pas la suite. Voilà. Nous vous souhaitons bonne chance. Merci beaucoup. Alors, vous qui chantez pour le Christ, qui avez donné votre vie également au Christ et qui faites partie d'une chorale, votre prime est là. Vous avez encore le temps de vous enregistrer et de faire partie pour les prochaines émissions. Alors, avant de passer à la suite, avant d'aller à la suite, on va prendre une pause. Tina. Est-ce que vous savez ce que j'aime dans ce show? Vous ne le savez certainement pas parce que vous ne pouvez pas lire dans mes pensées. Au fait, ce que j'aime dans ce show, c'est que, en même temps, les choristes montent ici, ils chantent, ils célèbrent. Mais la chose la plus marrante, si je peux le dire, c'est qu'ils oublient qu'ils sont en train de chanter pour leur Seigneur. Ils ont juste pris la partie prime. Nakosi. Nakosi tete, hein? Premier hour dans Balamoko studio ba moni bisombongo koti mais bobo sani que bo yembela nzambe na bino. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir sur ce podium la chorale mixte conservatoire de l'église CBF Makala. Sous vos applaudissements s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Tekonimona Blancing. Ta chorale, c'est quoi le nom de ta chorale? Mixte Conservatoire. Mixte Conservatoire. Où est les dirigeants? Voilà, bonsoir. Bonsoir. Pourquoi le choix des enfants dans votre chorale? Bon, Jésus-Christ a dit que laissez les petits-enfants venir à moi. Oui. C'est pour cela, vous voyez, les petits-enfants. C'est pas pour que vous soyez favorisés, vous savez, la présence des enfants ne veut rien dire, ça c'est une compétition. Il faut respecter d'abord, répondre aux critères et il faut affronter toutes les chorales. Vous pensez que vous allez, vous êtes à la hauteur? Oui, nous sommes à la hauteur. Et on attend voir ce que vous allez faire sur les stages. Oh!
Mais moi, je découvre des choses ce soir. Applaudissez une fois de plus pour cette chorale. Vous allez rester à côté de moi, juste là. Mais juste avant que je ne donne la parole de l'autre côté, j'ai deux stars ici devant moi. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Tekonimouna Bensi. Waouh, tu as quel âge? 12 ans. 12 ans. Tu chantes depuis quand? Depuis que tu as quel âge? Depuis janvier. Depuis janvier seulement, de cette année? Oui. Ok, et tu prends quelle voix comme ça? Soprano. Soprano. Ok. Alors, de l'autre côté, alors tu vas avancer encore près du micro. Toi, on t'appelle comment déjà? Maïli Keren. Maïli Keren, tu as quel âge? 12 ans. 12 ans également. Et tu fais quelle voix dans la chorale? Soprano. Soprano également. Super. J'aimerais que vous applaudissiez pour ces deux jeunes femmes en devenir. Alors, je donne la parole à Papa Gérard. Félicitations à la chorale. Ils ont bien presté. Seulement, il y a eu un retard d'accompagnement avec l'instrument. À la longue, il faut donc que l'instrumentiste puisse travailler sur la rapidité, qui est l'interaction entre la chorale et les instruments. Félicitations. Soyez détendu. Alors, Monsieur John, un mot. Je me rallie à ce que Papa Gérard a dit. Je n'avance aucune remarque. Dans les critères que nous n'avons pas mis la diction, la prononciation. Mais je pourrais conseiller à la chorale de travailler sur la prononciation, la diction. On ne sait jamais, votre travail peut vous amener ailleurs. Et qui a ce critère, et vous devriez en faire face. Il est en dehors, je complète juste ça pour votre travail futur. Félicitations à vous. Merci beaucoup, et sous vos applaudissements, la chorale va descendre. Et nous continuons juste après ceci. Oui, c'est moi. C'était comment? C'est comment très vous bien. Avez évalué techniquement c'est votre c'est bien passé. C'est bien passé oui. Sur le plan instrumental, tout, vocal. C'est bien passé. Et qu'ont dit les jurys, les remarques du jury, vous les avez quand même retrouvées dans votre prestation? Oui, nous avons, il y a la communication entre les instrumentistes et la chorale. Super, on continue dans ce show. Afro Gospel. Afro Gospel. Et cette fois-là, sous vos applaudissements, j'invite la chorale Elikia de l'église Sebeko Bumbua de prendre place. Bonsoir, c'est la chorale Elikia de la CEPRO Bumbua. Et comment vous êtes préparé moralement et techniquement? Bon, moralement, la chorale est vraiment bien préparée. Techniquement, nous avons aussi bien préparé. Et vous allez présenter combien de chants comme ça là-bas? Bon, nous allons chanter deux chansons. Vous pouvez me faire un tout petit aperçu, qu'on ait juste une idée de ce qu'on va entendre là-bas tout à l'heure. Un petit aperçu. Et Yabutu, et Amoy. Mobundeli, ye ajali, nabanga nini akosala, Elikia nangai na Yesu. Moi aussi je me mets, hein. Ea boutou, ea namoi. Enfin, c'est pas mon job, hein. Moi c'est parler. Bonne chance, hein. Merci beaucoup.
malo sambo. Na bele la ka masia. J'ai découvert des trucs ce soir. Et je suis sûre que vous aussi, vous ne saviez pas l'utilité de certaines choses. Alors, je vais poser la question. Vous allez passer de l'autre côté, s'il vous plaît. Voilà. Un peu comme à la commune. Hein. Après le mariage, on fait passer qui est à gauche, qui est à droite. Bon, je ne sais pas trop. À droite, c'est le mari. Voilà. Super. Alors, votre micro. Moi, j'aimerais savoir pourquoi vous mettez des gants et vous avez une baguette. Bon, c'est par rapport à ma tenue. Ok. Je suis le chef de chœur, le directeur technique. Alors, mon habillement, ça doit être différent de tous les choristes. Ok. Avec le gant, avec le bâton qui marque le temps, avec cette écharpe, ça indique bien la clé des sols. Vous pouvez applaudir quand même pour votre maestro. Super. Alors, on va aller du côté de Juré.
pour la cote de cette chorale, Monsieur John. Merci et félicitations à Elikia pour le travail qu'ils ont abattu. Il y a toujours quelque chose à ajouter sur le travail quand vous êtes dans vos fortés. On a l'impression que vous perdez tout contrôle pendant que vous donnez vos fortés. C'est la chose sur laquelle vous devriez travailler à fond. Dompter les voies pour garder contrôle pendant que vous allez très haut, parce que la chorale dégage beaucoup d'énergie quand vous chantez, mais il faut savoir l'apprivoiser pendant que vous donnez très fort. C'est ce point que vous devriez travailler. Et Monsieur Gérard? Merci, je suis d'accord avec Papa John. Mais ce qu'il faudrait compléter, il faut emmagasiner beaucoup de souffle quand vous faites les fortissimes. Il faudrait savoir aussi différencier la vocalisation O et A. Quand vous dites O, ce n'est pas O, ce n'est pas A. Donc au finish, il faut savoir respecter la vocalisation. Merci et félicitations. Merci beaucoup à la chorale Elikia de la Sebeko Bumbu 1. Je préfère dire de l'église Sebeko Bumbu 1. Merci à vous d'avoir participé à ce prime. Super. Oui, c'est transpiré. Vraiment, je viens de travailler. Voilà, vous venez de travailler et les appréciations du jury. Bon, on a d'abord remercié le Seigneur qui nous a donné la force et le courage de pouvoir chanter. Nous sommes vraiment humbles avec toutes les remarques qu'on nous a prodiguées. Et je crois bien dans nos séances de répétition, nous allons toujours les mettre en pratique pour que la chorale puisse aller de l'avant. Voilà, bonne chance à vous et Afro Gospel. Merci beaucoup. Show. Afro Gospel. Show. Tina. Mesdames et messieurs, le moment est venu pour nous d'accueillir sur ce podium Cœur Zemira Kaili de la paroisse Saint-Joseph de Matongué. Sous vos applaudissements, accueillez la chorale. Bonsoir. Bonsoir, madame. C'est la chorale Zemira. Zemira Cheli. Qui veut dire? Qui veut dire mélodie du ciel. Ah, Zemira Cheli, qui veut dire mélodie du ciel. Vous venez de quelle commune? Nous venons de la commune de Kalamu, précisément à la paroisse Saint-Joseph. D'accord. Vous avez vu plusieurs chorales prester. Qu'est-ce que ça vous fait? Vous êtes prêt à affronter? Oui, bien sûr, nous y sommes. C'est pour cela que nous sommes là. Vraiment, j'ai vu beaucoup de chorales prester. On a eu, donc, il y a beaucoup d'échanges culturels en ce qui concerne les chants. Vraiment, c'est un plaisir pour moi de confronter donc, le genre de chorales comme celle-là. Vous avez déjà une idée de vos adversaires? Oui, bien sûr. Et vous pensez le battre? Là, j'en suis sûr. D'accord. On attend voir ce que vous allez faire. Ça sera tout de suite sur le stage. Oui, oui. Ok, voilà. Thank you.
C'était donc la chorale Cœur Zemira Kaili de la paroisse Saint-Joseph de Matongué. Madame, avancez, vous étiez juste près du but. Allez-y. Vous pouvez refaire ce truc-là? Attendez, je vais essayer. C'était ça? Il faut qu'elle le fasse elle-même, hein? Ok, vas-y, refais. Malheureusement. Papa Gérard, vous avez la parole. Merci. Je vais demander d'abord au public d'applaudir pour la petite sœur. Applaudissez pour elle. Merci. Je suis fier d'elle parce que je vois qu'au Congo, il y a des potentialités en musique chorale. Donc, c'est une des cantatrices de notre pays qu'il faudrait bien encadrer. Elle pourra défendre la musique chorale un jour dans des grandes instances. Félicitations. Et Monsieur John, ce que je vais compléter, c'est que d'abord la tenue. Il y a ces tenues qui ne sont pas vraiment repassées. Ça ne passe pas. Hein. C'est pas bien. Devant le spectacle, dans un spectacle. Et la musique d'accompagnement était très forte, la musique. C'est ce que nous déplorons. Et enfin, quand on fait le fortissimo, il faut savoir articuler les mots. Bien articulé, bien parlé, et surtout ça. Merci. Monsieur John, vous avez la parole. Je réitère encore mes félicitations à Zemira Cheli. Comme pour tous les autres, il y a des choses sur lesquelles il faut insister. Le gros du chœur est avec le maître de chœur. Pendant que certains n'y sont pas, certains ne chantent carrément pas, ils ont la tête baissée, et d'autres recourent à des bouts de papier pour soutenir le texte. Et ça ruine le travail de ce que les autres ont fait. Principalement travailler sur les attitudes, et un peu comme j'ai dit pour les autres, savoir dompter la puissance quand on est dans les fortés. Enlever ce caractère un peu, à la limite un peu barbare, mais y mettre vraiment de la puissance. Mais pour le reste, bravo, félicitations. Merci beaucoup. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci à la chorale Zemira. C'est Zemira Cheli, comme en italien. Ok. Zemira Cheli de la paroisse Saint-Joseph de Matongué. Merci. Vos applaudissements, mesdames et messieurs. Les jurés ont placé son mot et comment vous appréciez? Oui, comme dans toute compétition, on est là pour prendre certaines remarques qui nous ont été faites par le membre de jury. On a eu à retenir ça pour qu'à la prochaine occasion, que nous puissions encore améliorer de plus. Voilà. Bonne chance à vous. Merci, merci beaucoup. Tina. Alors, la toute dernière chorale à prester ce soir sera donc la chorale Séraphin de l'église CBF Célissala. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, accueillez-la. Comment vous appelez, dites-nous comment vous êtes préparés. Je m'appelle Rose Poutoukos. Nous sommes préparés avec des chansons, comme toujours. À l'écart des 10 minutes, on va respecter ça. Voilà, vous allez respecter. Et vous avez vu toutes les chorales qui ont presté. Vous êtes la dernière chorale. Et comment vous vous sentez? Vous êtes prête? Oui, nous sommes prêtes et nous sommes à l'aise. Nous voulons clôturer la soirée.
avec toute détermination. Afro Gospel. Voilà, bonne chance à vous. Merci. Vida, vida.
ça va? Oui, ça va. Le cœur ne bat pas trop? Non. On n'est pas encore à la finale. Hein. Ok. Ça, voilà. Papa Gérard, un mot à la dernière chorale de ce soir. Félicitations à la chorale, mais ce que je vais dire, ce n'est pas les Séraphins que j'ai connus. Ce qui manque à la chorale, la vivacité, actuellement. Je connais quelques figures là-bas, mais c'est vraiment à travailler la vivacité de la chorale. Et en plus, la basse est impuissante. Il faudrait recruter d'autres frères pour fortifier la voix basse. Nous sommes dans la tribu Louba. Le tam-tam ne s'est pas marié avec le cantique. Là, je demanderai à tous les batteurs de faire un effort, même les instrumentistes, à chercher à travailler ce qui est traditionnel dans le vrai sens du traditionnel. Ça donnera la vraie couleur, le vrai couleur du morceau qu'on va exécuter. Merci. Monsieur John. Encore une fois, je me rallie à ce que Papa Gérard a dit et encourage la chorale à pouvoir travailler sur la puissance de la chorale. Un peu comme il l'a souligné, les voix d'hommes sont un peu moins présentes, mais tout l'ensemble peut travailler là-dessus. C'est juste cela que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Applaudissez pour vous-même d'abord, juste avant de descendre. Les Séraphins, vous savez ce que vous êtes, vous représentez. Voilà, merci d'avoir participé à ce prime. Tina. Alors, les résultats partiels, bien sûr, seront affichés là, à l'écran. Alors, si on est prêt de l'autre côté, on peut envoyer les images. Afro-Gospel, mesdames et messieurs, c'est fini pour ce soir. Je n'ai pas été seule à travailler pour ce show. Il y a toute la grande équipe qui est donc dans l'ombre. Il y a aussi les membres de jury à qui je dis merci. Derrière ce grand show, il y a eu trois grandes femmes. Elles vont monter, Maggie et Yassat. Sous vos applaudissements quand même, on les mérite. Hein. Et le rendez-vous est donc pris pour le dimanche prochain. Merci pour votre patience et pour votre acceptation. Bye bye. Célibataire, y'a pas l'ivala, à moi. Cabari, Oko bana na mwana moko na mwana Oko bota Celibataire ya bali bala Kabari Kabari, Hey, Gabari!